I win it! Hey! Notre agence qui s'appelle Rancard, c'est de travailler qu'avec des street artistes. Donc là on a choisi de JBC qui lui fait ce qu'on appelle du urban hacking, c'est-à-dire qu'il va détourner le mobilier urbain pour en proposer une version luxuriante, très graphique. Donc à l'origine j'ai été contacté par l'agence Rancard qui a bien eu l'idée du concept de la jungle car, une voiture recouverte de jungle, reprenant un petit peu un concept que j'avais moi-même expérimenté de manière un peu moins légale dans les rues, sur les boîtes aux lettres notamment. Et le point commun, on va dire, à peu près tous les projets, c'est que les voitures sont préalablement pelliculées. Donc pour certains projets, c'est le pelliculage lui-même qui fait le projet, comme celui du miroir. Et pour nous, par contre, le pelliculage qui a été réalisé par l'entreprise GSDI n'était que la première étape, en fait, avant la peinte à l'acrylique. Quand j'ai dû peindre cette voiture, j'ai été confronté quand même à des contraintes techniques. Au tout départ, on m'avait dit « Quoi, peindre avec de l'acrylique sur du vinyle, c'est absolument impossible, ça tiendra jamais. Ah, et en plus, vous voulez mettre un vernis, mais non, mais ça va faire sauter la peinture, etc. » Je dis « Bon, il n'y a pas de contre-solution, je vais faire à l'ancienne, comme si c'était une toile. Je prends mon pinceau, je prends mes couleurs, etc. Puis je vais peindre les contours, rajouter la couleur après, etc. » Donc au final, jour après jour, j'ai vu le projet avancer, les gens qui étaient autour de moi me témoignaient un peu leur solidarité, on va dire. Le vernis qui a été posé par-dessus rend vraiment la peinture brillante, tout en voyant quand même la trace de la main de l'homme, quand même, les traces de pinceau. Donc, de pouvoir travailler sur une voiture, c'est quand même un vrai bonheur. Alors, c'est pas nouveau, hein, beaucoup d'artistes l'ont fait avant moi, énormément même. Le but, c'est vraiment voilà, d'avoir une communication qui sort du commun, une communication artistique et qui parle aux gens, qui a une dimension un peu émotionnelle à travers l'art. Et voilà, créer des projets qui sont fun et que les gens auront envie de voir et dont les gens auront envie de discuter. Et de monter dedans. Et de monter dedans.